Salut à tous les amis, j'espère qu'en France vous n'avez pas trop froid. Parce que là où je suis, il fait 34 degrés à l'ombre. J'avais ce souvenir que quand j'étais plus jeune, souvent je jugeais les gens sans les comprendre. Et puis des fois, on se rend compte que ce qu'on pensait d'eux, ils étaient tout l'inverse. Et puis quand ces choses viennent plusieurs fois d'affilée, alors on prend du recul. On se dit, mais qui je suis pour juger? Qu'est-ce que je comprends du cœur des personnes? Je vois l'apparence, mais je ne peux pas comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est une bonne réflexion. Quand on évolue, quand on change, on peut comprendre que les autres peuvent changer. On doit laisser cette place pour l'évolution. C'est très important. Je me rappelle souvent, quand j'ai accompagné des gens ou que je vivais en bande, des choses comme ça, j'avais cette tendance à fixer une limite. Ouais, t'es comme ça. Tu peux pas évoluer, de toute façon, toi, t'étais nul, par exemple. Mais en vérité, quand on dit ça pas mal de fois à une personne, à un moment, elle y croit. Et alors, on devient quelque part son propre veto. Au contraire, on devrait toujours avoir cette forme de miséricorde en nous et de pouvoir faire évoluer les autres. Alors, c'est pas évident, ça prend du temps. On passe tous par là, c'est normal. En nous, il y a une certaine, comment pourrais-je dire, frustration qui est là, de ne pas réussir, de ne pas avoir toujours ce qu'on veut, et on reporte ça sur les autres. Mais cette attitude, elle nous fait du mal à nous-mêmes. Parce que lorsqu'on projette du négatif sur quelqu'un, on se le projette à nous-mêmes aussi. Et ça nous empêche d'évoluer. C'est pourquoi on doit avoir du recul et évoluer dans un bon sentiment. Si je veux me libérer, il faut que je permette aux autres de se libérer. C'est quelque chose de très important. Merci.